J'espère que vous allez tous très bien dans vos cœurs. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'amitié, de l'évolution de l'amitié, de la compréhension de l'amitié. Et c'est une étape qu'on est tous amenés à franchir dans notre éveil spirituel, qui est l'ouverture d'esprit. On va aller chercher plus loin, essayer plutôt de ressentir essayer de comprendre les choses, ce qui nous arrive. Alors, ce serait plus facile si je vous disais, allez, on va prendre un exemple, lui il m'apporte pas ce que j'attends, donc c'est plus un ami. En fait, moi, c'est pas comme ça que je me suis mise à réfléchir. C'est comme ça que je réfléchissais il y a des années, mais je l'ai fait également. Mais plutôt, réfléchir en moi-même. Si par exemple, le silence d'une personne qui se prétend amie avec moi me touche, au lieu de me dire, elle ou il croit que je suis son amie, mais en fait, il n'a pas compris ce qu'était l'amitié. Mais au lieu de penser cela, je vais me dire, pourquoi ça me touche? Parce que si ça me touche, c'est que j'attends quelque chose de cette personne. Donc, si j'attends quelque chose de cette personne, c'est comme dans l'amour, dès qu'on attend quelque chose de quelqu'un, on est forcément déçu. Ah oui, puisque nous sommes des êtres à part entière et ce que lui pense, c'est pas ce que je pense. Donc, je peux pas demander aux autres d'être dans ma tête et de leur dire de faire les choses quelque part à ma place. Donc, j'en suis arrivée à me dire, effectivement, si je n'ai pas de nouvelles de cette personne et que ça me manque, bien que le manque, c'est toujours un attachement, bon bref, où je pense à elle et que j'ai envie d'avoir de ses nouvelles, savoir comment elle va, pourquoi je prends pas cette petite chose magique qu'on se sert tout le temps qui s'appelle téléphone. Vous voyez, plutôt aller chercher ce que moi je peux faire, comment je ressens cette amitié et qu'est-ce que je peux faire pour la faire évoluer ou la faire se stopper. Ça ne veut pas dire à vie, mais quand on n'a plus le lien avec certaines personnes, à quoi sert de toujours se prétendre ami? Ah ouais, on va être ami, on va avoir je ne sais combien d'amis sur Facebook, par exemple, et on n'en connaît pas, mais plus des trois quarts. Donc en fait, je me suis posé la question des types d'amitié qu'il y avait. Il y a une lecture qui est passée, qui a été très élément déclencheur. Donc il y a plusieurs types d'amitié. Il y a cette amitié joyeuse, futile, où on va se mettre ami, se faire ami avec une personne, parce qu'avec cette personne-là, et ben la vie elle bouge. C'est-à-dire on sort, on va danser, on va au cinéma, on va au restaurant, on va marcher, on va pêcher, enfin tout ce que vous voulez. Mais en fait, il n'y a pas de profondeur. On rigole, on s'amuse, mais on ne parle pas de notre profondeur, on ne parle pas de nous, on va aller dans les confidences, je ne sais trop quoi, quelqu'un qui est passé dans notre vie, ou on va parler des problèmes d'argent qu'on a, etc. Mais on va pas rentrer en profondeur de qui on est vraiment. Voilà, pour moi, c'est de l'amitié futile. Je l'ai vécu, hein, bien évidemment. Ce que je vous parle, c'est obligatoirement des choses que j'ai vécues et que je m'en suis rendu compte. Après, la question, c'est est-ce que c'est moi qui veux cette amitié-là? Je me sers de la personne, en fait. Hein? Ou est-ce que c'est la personne qui se sert de moi? Par exemple, une manipulation verbale. Parfois, la personne ne s'en rend même pas compte. Nous-mêmes, quand on peut être dans ce cas-là, on ne s'en rend pas compte. Bref, vraiment, distinguer. Pourquoi je vais avec cette personne? Parce qu'on mange des bonnes glaces, par exemple. Même s'il n'y a rien d'autre, c'est pas consistant. Non, quelque part, ça nous fait sortir, mais ça sert pas à grand-chose. Hein. Si on n'est pas dans la vérité de la relation. Ensuite, je me suis... Alors ça, c'est une phrase que j'ai lue. L'amitié... intéressée. C'est-à-dire... Tiens, je repère cette personne
parce que je sais, par exemple, que son frère est dirigeant d'une entreprise dans un métier que j'aimerais bien faire, et voilà, plus je me rapprocherai de cette personne, bah, peut-être plus de joie et de chance qu'elle parle de moi à son frère et qu'elle mette mon CV sur la table, etc. Bon, c'est cela comme exemple, mais vous avez bien compris que ça peut être tout un tas de choses. De pouvoir rencontrer un homme qu'on a rencontré, on sait que cette personne est son ami confident ou autre, on se dit, bah, tiens, je vais me rapprocher de cette personne-là parce que j'ai vu qu'elle était souvent avec cette personne-là qui m'intéresse. Donc là, on est dans le jeu vicieux de l'humain. Hein. C'est, je vais me servir des autres. Alors, pour moi, ça, je ne l'ai pas, mais je l'ai fait. Oui. Vu mon âge, heureusement que j'en ai fait des erreurs, mais je l'ai fait. Et puis, il y a cette amitié, que je pense que tout le monde souhaite, au moins tous les éveillés, c'est l'amitié pure. C'est l'amitié, on accepte la personne comme elle est, et on l'aime telle qu'elle est. Et on n'attend rien d'elle, parce que comme ça, on ne sera jamais déçu. Par contre, on attend tout de nous. Cette amitié qui nous amène à toujours vouloir le bien et toujours éviter le mal. Donc d'être dans l'écoute, dans le partage. Tout ceci pour dire que dans nos amitiés, dans vos amitiés, regardez autour de vous ce qui est pur et sincère. Bon, où j'en étais parce que ça a coupé. Donc, fouf. Oui, où on en est dans le regard des autres, par rapport au regard des autres. Moi, je pars du principe qu'il vaut mieux avoir peu d'amis, mais des personnes sur qui nous pouvons compter. Plutôt que d'en avoir une vingtaine, une trentaine, une cinquantaine, mais en fait pas les connaître et qui ne nous connaissent pas non plus. C'est vraiment se rendre compte justement de ce qu'on a à travailler à l'intérieur. Si j'avais plus de 20 amis autour de moi où tout le temps je suis en relation, je me poserais la question, qu'est-ce qui me manque dans ma propre vie avec moi-même pour avoir ce besoin d'être toujours entouré? L'amitié, je pense également que c'est quelque chose de très riche, comme l'amour. Mais ça s'entretient. Avoir quelqu'un qui nous dit comme ça, oui, mais on est amis et qu'on n'a pas de ses nouvelles pendant des mois et des mois, moi, ma question, c'est quoi l'amitié pour toi? Qu'est-ce que c'est l'amitié? De passer 6 mois, 1 an sans donner de nouvelles, vous me direz, si on veut, j'ai juste à en prendre. On va prendre, mais ce cas-là où la personne ne vous donne pas de nouvelles du jour au lendemain. Coupe le tuyau, et puis quand il revient ou quand elle revient, elle vous raconte toute sa vie, on dit, mais t'es mon ami, ben non. Ça veut dire qu'il y a eu un trou de 365 jours où j'étais pas ton ami, et là tu reviens, je suis ton ami. Non, je ne suis pas forcément ton ami, nous sommes des connaissances, et oui, si t'as besoin de me parler, que moi je suis prête à écouter, ben c'est avec plaisir, voilà, que je le ferai. Mais l'amitié, c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose qui se travaille. Ça demande de la compassion, ce qu'on doit mettre dans tout, de l'écoute, du dialogue, mais ça demande de la présence aussi, ça demande du bonheur, de la joie. Mais être ami avec quelqu'un qui vous parle que par SMS ou message vocal, elle n'est pas facile, cette amitié-là, quand même, à faire perdurer. Il faut le contact. Mais il faut se poser la question. Qu'est-ce que j'attends de cette amitié? Sachant que quand on est dans l'attente, on est déçu. Donc, vivre l'amitié comme on peut vivre l'amour et dans la confiance. Parce que s'il n'y a pas la confiance, c'est comme pour l'amour où il y a toujours quelque chose qui bloque. Je pense également que l'amitié, c'est mettre en action la compréhension de l'autre. Voilà, toujours dans le non-jugement. Mais rappelez-vous, hein, que même si à un moment donné, moi j'ai eu une personne comme ça dans ma vie,
où voilà, on était hyper fusionnel. Et aujourd'hui, eh bien voilà, force de constater qu'on n'a plus rien qui nous relie. Mais c'est pas grave, que cette personne fasse son chemin, que je fasse mon chemin, et sans se fâcher. Et si à un moment donné on doit se retrouver, la vie va nous ramener l'un vers l'autre ou l'une vers l'autre, vous voyez. Mais même avec quelqu'un avec qui on a l'impression de d'être sœur jumelle, hein, et on se ressemble tellement que voilà, on est liés pour la vie, etc. Sachant que nous avons tous notre chemin et que même si nous avons beaucoup de points communs, nous pensons de la même façon, mon chemin n'est pas ton chemin. Donc arrêtez de faire effet miroir avec une personne. Si je me permets de dire tout cela, c'est pour comprendre ce que j'ai, pour partager ce que j'ai compris, c'est que ma véritable amie, c'est moi-même. Tout simplement. Le reste, c'est du luxe. Mais que le luxe soit qui nous amène du bonheur. Voilà, c'est cela. Donc, sachons où on en est par rapport justement à toutes ces personnes qui nous entourent. Est-ce que nous sommes avec elles parce que on attend quelque chose, hein, on vise derrière, hein, donc c'est un peu sinueux quand même. Est-ce qu'on est avec cette personne juste pour le plaisir, parce que comme ça, je sors pas toute seule? Ou est-ce qu'on est avec cette personne parce qu'on l'aime telle qu'elle est? Bon, comme d'hab, j'ai mangé plein d'idées que j'avais. Mais voilà, soyons authentiques avec nous et avec les autres. Et on aura des bonnes relations. Et rappelez-vous hein, que si on passe un moment de solitude, eh bien ça va peut-être vous paraître bizarre. Mais ça m'est arrivé. Et je pense que c'était une bénédiction pour justement que je rentre en profondeur moi. Que je poursuive cette ouverture d'esprit qui est ma spiritualité à la recherche de l'amour que je suis, la personne que je suis. Voilà. Donc pour finir, mettons de l'authenticité dans nos amitiés. Sachons nous séparer des liens délétères hein, qui nous amènent plus vers le bas. Apprenons à dire non aux autres pour se dire oui à soi-même. Et accueillons les amis qui nous acceptent et qui nous aiment tel qu'on est, tout comme nous leur envoyons cette même vérité, la vérité d'être honnête avec nous-mêmes. Tout n'est jamais tout rose, hein. Mais justement, le fait d'instaurer, d'avoir ce lien d'amitié fort et sincère où on peut tout se dire, voilà, c'est comme un couple, hein. Ça peut être magique, mais pour cela, il faut de l'authenticité, il faut de la vérité, il faut de la compassion. Il faut du non-jugement. Il en faut des choses. Hein. Ouais, voilà. À regarder ce que vous avez autour de nous comme amis. Dorloter ceux qui sont les vrais. Et se poser les bonnes questions sur ceux dont on se sert. Et puis regarder la situation à l'inverse, hein, bien évidemment. Ne pas se fermer les yeux sur les gens qui peuvent abuser de nous. On me pose de temps en temps la question, l'amitié homme et femme. Longtemps j'ai cru que ça existait, ensuite j'ai cru que ça n'existait pas et aujourd'hui je me dis mais tout dépend des personnes, à quel niveau d'évolution spirituelle ils sont. L'amitié homme et femme, si la femme attend quelque chose de l'homme, déjà c'est pas pur, l'inversement, vous avez bien compris. Mais si les deux personnes se reconnaissent, donc là, on est d'accord que si on se reconnaît, on construit une amitié pure en parlant des choses agréables et des choses désagréables. On est dans notre authenticité. Eh bien, s'il n'y a pas derrière l'esprit d'une des deux personnes un petit truc de caché, genre par exemple « cet homme me plaît et je me fais amie avec lui », c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans le type d'amitié qu'on choisit. Donc, voilà, savoir d'abord se reconnaître nous, savoir où nous en sommes avec ce qu'on attend des autres. Moi, je dirais, attendons tout de nous et rien des autres. Et ça permettra
De suite, de savoir voilà, si ça se match ou si ça se match pas. Je parle pas de relations intimes, je parle d'amitié. Mais parfois, c'est vrai qu'il y a confusion. Il y a confusion dans l'esprit des gens. Ils peuvent des fois même pas s'en rendre compte. Donc, comment dire, amitié homme et femme, je pense que pour deux éveillés qui sont clairs et nets, c'est tout à fait possible. C'est vraiment tout à fait possible. Puisque les choses sont dites, puisqu'il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de honte, on enlève nos masques. On est dans l'amitié, donc je vais te raconter ce qui m'est arrivé, et même si ce qui m'est arrivé, c'est moi qui ai tort, j'ai pas été sympa, etc., je vais tout balancer, voyez ? Parce que je suis pure, on essaye d'être pure. Après, on peut pas être dans la tête de l'autre, on peut pas être dans l'esprit de l'autre personne, donc on ne peut pas savoir ce que la personne, ce qu'elle a derrière la tête par rapport à cette amitié. Moi, comme je vous l'ai dit, je pars sur la confiance. La confiance que je témoigne aux autres, c'est également la confiance que je me témoigne à moi-même. Quelque part, je pense que c'est la plus belle chose que je peux me faire et que je peux faire à mes amis. Donc, voilà. C'est à discuter, hein, je vous dis. Hein, j'ai vécu ça longtemps, une amitié homme-femme, et puis au bout de 40 ans, c'était évident que cette personne était amoureuse. Et avait énormément d'amitié pour moi, mais il y avait quand même ce côté. Donc après, j'ai baissé les armes et je dis comme ça, non, mais j'y crois plus, ça n'existe pas. Sauf que j'ai eu cette avancée spirituelle qui me dit que oui, bon, je peux connaître des gens qui sont dans la spiritualité, où vraiment il y a cette notion d'amitié et de respect. Ça, c'est vraiment formidable. Donc, du coup, je vais dire que ça existe. Allez, je vais aller chercher les messages du jour avec trois oracles, on y va. Celui-ci, celle-ci. Donc, on est avec... je ne sais pas le premier. Le deuxième, c'est... je suis mauvaise là. Le deuxième, c'est l'âme intuitive. Message de notre « Je suis ». Et le troisième, c'est les hautes vibrations. C'est les hautes vibrations de Jenna Blonson. D'ailleurs, celui-ci est Jenna Blonson aussi. Et celui-ci, et il est... Si je regardais les boîtes, ça serait pas plus mal. Lisa Williams, voilà. Ah oui, je me sers beaucoup de son oracle. C'est vraiment dommage que j'écorche. Allez, c'est parti. Le premier message nous dit comme ça... Je me réjouis de recevoir tous les cadeaux que la vie a pour moi. Et le premier des cadeaux que la vie a pour moi, c'est moi. Attention de ne pas tomber dans le côté égoïque, bien sûr. Je le dis tout le temps, faut apprendre à nous aimer pour mieux aimer les autres. Mais après, faut faire attention de ne pas dériver. Le message de notre je suis, c'est croire. Je crois. Je me réjouis de recevoir tous les cadeaux de la vie. Que la vie a pour moi, et mon premier des cadeaux, c'est moi, parce que je crois que la vie est précieuse. Je crois que je suis moi-même un esprit divin. Et ça nous dit comme ça, avoir la foi, croire en soi et en les autres, sentiment de savoir. Ça va avec ce que je vous disais tout à l'heure, où faut d'abord savoir ce que nous pensons de nous. Par rapport aux amitiés que nous avons. Et ensuite, on pense par rapport aux autres. Croire en soi et en les autres. C'est la confiance également, tout à fait. Le sentiment de savoir, avoir la foi. Moi, je vous l'ai souvent dit, hein, j'ai pas de croyance, mais j'ai une foi incommensurable en moi, de ce qui est autour de moi et à l'intérieur de moi. Et là, nous avons toujours avec la haute vibration de Jenna Blonson, nous avons même longueur d'onde. Ben, c'est peut-être vers cela que nous devons nous diriger, en fait, au niveau de nos amitiés. Moi, j'en ai une nouvelle là, elle est trop belle. Hein, et on vibre sur les mêmes vibrations. Donc, moi, je dis, j'ouvre ma porte. Voilà. Je n'attends rien. Je vis. Je vis chaque moment présent qui m'est permis d'être avec cette personne, d'entendre cette personne
Et je vraiment sans aucune arrière-pensée, c'est vraiment ce plaisir de pouvoir dialoguer avec une personne qui est dans son évolution spirituelle et qui vibre sur les mêmes longueurs d'onde. Oh, c'est chouette, hein? Bon, allez, je vais vous souhaiter une bonne journée. J'espère que ça vous a plu. Ah oui, il faut le dire. Vous pouvez, si vous le souhaitez, si vous avez aimé, liker, vous abonner. Oh, il y en a eu tout plein d'abonnés. Oh, oui. Trop génial, hein? Il a fallu que je dise 33 fois. Merci, merci. Non, j'adore. Et puis oui, vos petits commentaires qui font toujours plaisir et auxquels j'ai plaisir à répondre. Voilà, je vous envoie toute ma lumière. Ayez confiance en vous. Regardez les personnes qui vous entourent. Protégez-vous, parce que c'est important. Hein, y a des piques assiettes souvent partout qui vous prennent votre énergie. Et si vous n'avez plus l'énergie pour vous-même, vous allez faire comment pour aider les autres? Voilà. Allez, prenez soin de vous, prenez soin de tous ceux que vous aimez. Et puis j'espère à très bientôt. Au revoir.